On va prendre et retirer un premier trait. On bouge pas. Tac. Ici, pas d'ouvrier, c'est bien le major qui prend les mesures et installe les premiers meubles. Et le temps presse, dès jeudi, cette chambre témoin devra répondre aux critères des hauts gradés. Ils veulent avoir une vision en réel de ce que l'élève va avoir quand il va arriver. Voilà. Le but, c'est qu'elle soit elle soit la plus conforme possible et puis qu'elle soit la plus agréable possible également, mais surtout fonctionnelle pour l'élève. Et donc, on a beaucoup de mobilier à rentrer dans des pièces avec une surface qui est relativement réduite. Quoi. Depuis une semaine, l'ancienne BA 102 se transforme peu à peu en école de gendarmerie. Major, capitaine, civil, ici tout le monde fait sa petite BA, mais c'est parfois compliqué. En cuisine aussi, on a pris de l'avance, les casseroles sont déjà sur le feu. Objectif dès la rentrée, servir chaque jour plus de 1200 couverts. Pour le moment, on fait des tests en chauffe et puis pour voir au niveau du matériel si, on est bien, si ça correspond, si on est bien équipé. Et à partir du 1er septembre, nous allons faire la cuisine entièrement, c'est-à-dire cuisiner nous-mêmes, que du frais. Des gendarmes aux petits oignons pour les futurs élèves de 19 à 34 ans qui devront tirer un trait sur la vie étudiante ordinaire. Il faut aussi quand même qu'ils se coupent vraiment du monde civil. Voilà, ici, ce n'est pas une fac, c'est vraiment une école de gendarmerie, une école de formation. Il faut vraiment leur apprendre les rudiments du monde militaire. Donc oui, c'est important qu'ils soient bien installés, mais surtout installés aussi, coupés de leur petit confort habituel. Ouvrir une école pour former plus de gendarmes, un choix économique et sécuritaire. C'était lié déjà à un contexte de besoin de renfort en formation, qui a été accentué par les événements dramatiques qu'on a vécu. Donc cette école est absolument indispensable. Enfin, la capacité de formation supplémentaire est indispensable aujourd'hui. Dès le 18 octobre, on range les outils et les palettes, place aux cahiers et aux uniformes. Plus de 700 élèves gendarmes sont attendus sur ce lieu, déjà historique.